bateau-là, c'est... Je te sens emballé. Ouais, non, c'est un peu... on se demande comment ils font pour supporter ça pendant des mois. Ouais. Et donc, on a cette peau qui est cuite. Et à partir de ce moment-là, on attaque la phase de lame. En fait, on met en place le nid d'abeille et la mousse qu'on colle à la première peau. Le secret du composite, c'est ça. C'est plusieurs matériaux qui sont étagés. Et ce n'est performant que si c'est bien compacté entre eux. Exact, ça dure combien de temps cette phase-là à compacter, compresser Une nuit. Tous les soirs, on met sous vide. Imaginez que ce bateau, tu vas l'emmener à quoi? 25 nœuds, 30 nœuds, plutôt 30, ouais. Plutôt 30 nœuds, voire 35 sur des... dans des vagues de 4, 5 mètres. Il voilà. Bah, faut imaginer ce genre de truc, c'est un bateau qui va faire 8 tonnes, qui va tomber du deuxième étage dans l'eau. Donner les grandes lignes, le chantier avance très bien, on est content, on est vraiment dans les clous par rapport à ce qu'on s'était fixé en planning, mais bon, on a Filoun qui est au quotidien sur le dossier que vous connaissez tous et qui suit ça de main de maître. Et le maître d'œuvre à qui on achète le bateau, c'est la société Mer Concept. Donc à partir du mois de fin octobre, début novembre, ces pièces-là arriveront chez eux à Concarneau et tout se passera là-bas ensuite. Quoi.